Et salut à tous, c'est AXO. On se retrouve aujourd'hui pour un AXO calme alors qu'on est lundi. Un peu bizarre. On est lundi et d'ailleurs vous aurez pas de calme parce que en FPS je mets pas de cam en fait. Je trouve pas ça. En fait c'est con en fait, mais bon bref. Donc pas de cam aujourd'hui non plus. Nous sommes bah, le lundi 10 pardon, mars, ce qui veut dire que dans 3 jours sort Titanfall et pour l'instant nous jouons à Call of Duty Ghost. Ouais, j'avoue. Donc Call of Duty Ghost, un jeu que je n'ai pas retouché depuis approximativement 2 mois. Donc ça va être marrant en fait. Ça va être marrant parce que bah, je vais me faire défoncer, tout ça en domination et tout et tout. Donc je vais vous parler un petit peu de quelques petites choses que je voulais aborder avec vous en vidéo. Et bah, notamment déjà le retard qui a été pris sur la chaîne. Hein. Que ça soit sur quelques épisodes du Fallen Kingdom parce que c'était pas programmé, on n'était pas là, on n'avait pas accès à internet pour ou à nos fichiers pour pouvoir vous les mettre à temps et tout ça, donc c'est un peu réglé maintenant, mais bon. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai les armes de merde, je suis pas sur PS3, je suis sur Xbox One, donc je suis toujours niveau combien? Niveau merde, niveau 18, voilà, c'est ça. Donc niveau, on va se faire défoncer parce que bah voilà. Donc je suis revenu sur le jeu juste un peu ce matin, parce que quand même je vais vous faire des vidéos de qualité et tout ça, donc faut que je gagne. Évidemment, je ne gagnerai jamais. Et là, quelle ne fut pas ma stupéfaction quand j'ai vu qu'il y avait masse nouveaux DLC. Enfin, Unslow, normal. Mais genre les autres en fait, non. Donc là, attends, on va y aller en scred. Voilà, on sécurise. On est bien. Là, ils se battent tous en A. Donc, en fait, il y a masse de DLC, mais de personnalisation. C'est pas des vrais DLC, vous voyez. Voilà, donc, Norage. Je t'ai pris ton point. Hop, grenade Semtex sur ta gueule. Pas du tout. Alors, on est en train de perdre. Voilà, meurt, pleine tête, pourquoi je ne sais pas. Ah, très bien. Donc la mort pour nous. Donc c'est vrai, j'avais oublié au combien c'était difficile de jouer à Call of Duty et de vouloir dire quelque chose en même temps. Donc je vais y aller quand même, je vais assez rapidement. Donc, bon, masse nouveau DLC hein, qui ne servent à rien, on peut jouer Makarov, des trucs dans le genre, des trucs totalement incompréhensibles pour moi. Genre, tu me dis A plus B égale C, je te dis ok, tu vois. Oula, ah très bien. Ah bah d'accord. Ah, les joueurs de Call of Duty. Donc c'est pas grave, on va... Bah, domination, de toute façon, c'est chiant. On va faire un jeu d'armes, ça va être plus drôle. Jeu d'armes hein, qui a été rajouté, enfin, j'ai envie de dire. C'est vraiment un des meilleurs modes de jeu, je trouve. Sur, tiens, Warwo qui est cool, cette classe. Donc, ok, voilà. Et donc voilà, il y a masse nouveau DLC, je vais vous montrer ça un petit peu, opération pas du tout, créer un soldat si tu as vu. Donc voilà, on peut rajouter des classes, mais ça... YOLO. Personnalisé, donc spécial, voilà. Le jeu me troll, mais à un point c'est ouf, quoi, il veut même pas me laisser expliquer ce que je veux dire. Mais c'est pas grave. Donc Titanfall sort dans 3 jours, ce qui veut dire que je l'aurai bah, soit demain, soit dans 2 jours. Au pire mercredi, donc. Parce que, bah voilà, réservation, donc privilège, donc voilà, tout ça, tout ça. YouTubeur, YouTube Money. Non, je ne gagne absolument pas d'argent sur cette scène et de toute façon, ça tombe bien vu qu'on cherche pas à en gagner. Et donc voilà, donc le prochain ExoCam, donc samedi, hein, comme tous les samedis normalement, sauf que là, j'avais pas eu le temps le week-end dernier, donc je ne vous le fais que maintenant. Donc le prochain ExoCam sera sur Titanfall, la version définitive, donc j'essaierai de faire autre chose que ce que j'ai fait dans la bêta. Et bah voilà, ça me paraît déjà pas mal. Autre chose, on a enfin une date pour Watch Dogs, c'est génial, ça j'adore. On a une date plus un trailer, donc double kiff. Donc 27 mai, c'est un peu tard, je vous l'accorde. C'est très tard. Ok, il n'y a personne. Beaucoup trop loin. Oula! Bah non, la mort. Très bien, le mec m'en met deux, je meurs. J'avais oublié, c'est Call of Duty Ghost. Non mais please quoi. Ça m'est déjà arrivé ce matin en fait parce que j'en ai fait une partie ce matin et de faire toute la map et sans jamais voir personne. J'ai l'impression que ça va recommencer. Voilà, non.
Donc là j'ai eu beaucoup de chance parce que je tirais absolument pas dans sa gueule. Dans les plis quoi. Typical no brain player. Dans les plis. Voilà, ça c'est un truc de salaud par exemple. donc Watch Dog le 27 mai, c'est un peu tard donc. Mais on a surtout un trailer, donc moi j'ai regardé le trailer VF d'abord parce que j'avais pas trouvé le en anglais. C'est un truc assez bizarre d'ailleurs, normalement on a toujours l'anglais d'abord, mais moi il y avait que le VF. Mais c'est pas super grave en soi. Parce que ils ont mis comme voix pour Aiden Pierce la voix. Je sais plus comment il s'appelle, dans Person of Interest. Donc si vous ne connaissez pas la série, je vous la recommande fortement. J'ai fortement accroché, elle passe en ce moment sur TF1, donc pour ceux qui veulent. Voilà. Elle est géniale, c'est du hacking. En fait, ça reprend pas mal de ce qui se passe sur Call of Duty. Pas du tout. Non, attends, voilà. Parce que sinon, je vais mourir en fait. Ok. Il est où? Ah là. Non. Donc ça reprend pas mal de ce qu'il y a dans, je trouve, hein, comment Brain un ennemi. Oh, Watch Dog, voilà, j'y arrive enfin, parce que ça part de la même chose, hein, le hack et tout ça, un super ordinateur, sauf que bon, Aiden c'est ton téléphone. Donc voilà, je suis content qu'ils aient pris la voix du même mec, je trouve que ça fait un super clin d'œil, déjà qu'il y en avait pas mal. Déjà dans l'intro de Person of Interest, il y avait un petit clin d'œil à Watch Dog. Enfin, c'est plutôt Watch Dog qui avait un clin d'œil à Person of Interest, parce que si vous regardez je vous le mettrai sûrement, le trailer, enfin l'intro de Person of Interest, il y a une image où on reconnaît nettement Aiden Pierce. Enfin, il est habillé exactement comme le personnage d'Aiden Pierce. Et j'ai trouvé ça génial la première fois que j'ai vu. Donc voilà, ça c'est dit. Oula, je ne sais pas tirer. Ensuite, on a des informations sur le prochain Assassin's Creed, donc je parle du prochain Assassin's Creed Next Gen. Donc avec la nouvelle génération console, évidemment. Hop, pas faire le con. Y a personne. Ah si, dommage. Donc je suis un peu merde là. Je suis un peu masse merde. Donc je dis non mais please quoi, le coup de couteau mec, t'es sérieux, salaud quoi, rends moi l'arme. D'accord, je suis mauvais, c'est ouf. Oh. Beaucoup trop mauvais. Donc Assassin's Creed qui se déroulera donc soit en France, soit à Paris. Oui, je suis con. Soit à Paris, donc soit à Londres. Donc ça c'est une très bonne chose, je trouve. Oh, c'est impossible. Cette arme, en fait, on ne peut pas tuer avec. C'est un truc assez chiant, je trouve. Bon d'accord. Oh, je l'ai eu. Oui. Donc désolé, ce moment de concentration, mais avec cette arme, c'est très difficile de faire autrement, je trouve. Ah, d'accord. C'est quoi cette arme de merde? Qu'est-ce que c'est? Non, sérieux, c'est quoi? Je sais pas du tout. Fin d'impôt, en tout cas. Il y a un sniper. Ça doit être une des nouvelles armes qu'ils ont implantées. Mais des armes mauvaises, c'est un peu chiant. On va aller en haut, hein, comme tout sniper qui se respecte. Voilà. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Putain, mais le... Non, elle est horrible cette arme. Je sais pas qui l'a créée, mais qu'il soit viré s'il vous plaît. Très bien, c'est fini. Donc j'ai perdu lamentablement avec un 11-13. Donc voilà. Donc Assassin's Creed, je disais qu'il se portera pas du tout, qui se déroulera à Londres ou à Paris, donc ça c'est cool, et puis bah on a tendance à voir plus, hein, comme d'hab. Pour l'instant ce sont que des leaks, on s'est pas encore vérifié, mais il y a de fortes chances. Et ça se passerait plus tard que Q1
Connor, donc voilà, vers le 19e siècle, tout ça, tout ça. Donc ça va être marrant. Sur ce, eh bien je vous dis au revoir. Voilà, on a débloqué des objets, c'est dégueulasse. Et puis donc à très bientôt. Donc déjà demain pour la suite de Mystic League sur Stone. Ensuite mercredi Fallen Kingdom. Vendredi encore du Hearthstone. Samedi à Exocam donc sur Titanfall. Et dimanche sur le Fallen Kingdom encore une fois. Voilà, vu qu'il y a deux épisodes par semaine, vous le savez. Sur ce, passez une très bonne semaine sur la chaîne de la Mystique et sur bah, toutes les autres chaînes de YouTube parce qu'on est tous amis. Ouais. Et bon bah, à plus tout le monde!